Thank you.
Non. Bianca, tu dois te calmer. Ça peut être une frustration. Es-tu folle? Pourquoi tu conduis comme ça? Mais, mon cher, tu n'as presque rien dit depuis que tu es venu. C'est une longue histoire. Je manque terriblement de mots. Je suis fatigué, je ne sais même pas quoi dire. Hé, mon cher, écoute, il faut que tu dises quelque chose. Depuis que tu es là, tu n'es pas dans ton assiette. Hein? Tu n'es pas heureux depuis que tu es retourné de ton voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Quelquefois, je me demande pourquoi la vie m'est si injuste? Pourquoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai été déporté. Hein? J'ai été déporté. Refoulé? Ouais. Comment? C'était juste comme ça? Ok. Essaie juste d'y retourner. Hein? Tu vois? Comme si retourne à... Dis-moi, où est-ce que tout ceci s'est passé? Joe, écoute, tu poses beaucoup de questions à la fois. Maintenant, je suis très confus. Pour le moment, je ne peux pas te répondre, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. Tu n'as pas droit à devenir fou, hein, mon cher. Écoute. Écoute-moi. Écoute, tu devrais quand même remercier Dieu. Tu es quand même revenu en vie. Et tu es là. Alors, allons d'abord à l'intérieur et nous allons en discuter. Alès? Alès? Une tasse de thé pour toi. Merci Joe, s'il te plaît. Dépose-le sur la table. Je vais le prendre après. Oh mon Dieu. Honnêtement, tu dois arriver à te maîtriser, ok? Essaye de te calmer. Ça, ce n'est pas du tout la fin du monde. Aussi longtemps qu'il y a la vie, nous finirons toujours par trouver une solution. Joe, j'ai pris ma décision. Je vais retourner en Europe. Je ne peux pas rester dans ce pays. Oui, non? Oui. Tu dois vraiment y retourner. Mais premièrement, tu dois d'abord te trouver un travail. Trouve-toi un travail et planifie ta vie à nouveau. Est-ce que tu me comprends? Joe, je retourne en Europe, même s'il me faut passer par la Belgique. Je dois repartir. Mais, comme je l'ai dit, il te faut un travail, ok? Joe, tu continues de me parler de trouver du travail, Pourquoi tu parles comme si tu ne sais pas combien gagnent les diplômés dans ce pays? Hein? Combien gagnais-je quand j'étais dans ce pays? Je gagnais un maigre salaire. Mais, tu t'es débrouillé avec cette petite somme d'argent avant que tu ne quittes le pays. Tu t'es débrouillé. Hein? Joe, tu ne comprends pas. Écoute, tu ne peux pas être à ma place et parler comme ça. Tu ne comprends pas. J'ai même mal au bras. La façon dont le chauffeur m'a tiré dehors, ça me fait très mal. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je suis très confus. Mais voilà. En train d'être emporté par un homme inconnu. Un homme complètement étranger. Que j'ai vu en pleine rue.
Bianca. Ressaisis-toi, ne perds pas le contrôle. Je n'arrive pas à me passer de lui. Il est tout ce que je cherche. Il est genre... Oh mon Dieu. Oh. Joe, je dois payer mes partenaires d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'essaie de dire que tu me retournes l'argent que je t'ai donné. Alex. Je n'ai plus cet argent. Je l'ai investi. Tu as fait quoi? Je l'ai investi dans les affaires. Joe, tu as fait quoi? Tu as investi mon argent. Joe. Alex. Tu as investi mon argent. Mais pourquoi est-ce que tu oses ta voix? J'ai investi cet argent pour notre bien. Ce n'est pas comme si tu ne vas pas le récupérer. Tu vas toujours récupérer Joe, ton argent. Joe, quelle stupidité me racontes-tu? Écoute, il faut que tu sois patient, Alex. Sois patient. Arrête de cette voix, on dirait que l'argent était... Tais-toi avant que je te frappe sur le visage. Je t'ai donné... Joe, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous, Joe? Toi et ta famille. Lors de ton anniversaire, je t'ai envoyé une grande somme d'argent. Je t'ai même envoyé de l'argent pour construire une maison pour ton père. Et c'est comme ça que tu veux me payer? Oh mon Dieu. C'est comme ça que tu veux me le payer. Alex. Tu as investi mon argent sans me le dire. Mais écoute, je vais toujours te le payer, ok? Joe. Une fois que je récupère cet argent, je te Joe, le restitue, ok? Je veux mon argent. Sinon, je ferai quelque chose de stupide. Tu feras quoi? Joe, je veux mon argent. Je veux récupérer mon argent. Non mais attends, attends. Tu viens juste de dire que tu feras quelque chose, tu feras quoi? J'ai dit que je veux mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent, je m'occuperai de toi. Tu auras affaire avec moi. Ouais. Juste à cause de... Je m'occuperai de toi si tu ne me donnes pas mon argent. Es-tu un voleur? Ok, bien. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Alex, tu ne m'as jamais donné une somme d'argent. Qu'est-ce qui prouve que tu m'as donné de l'argent? Joe, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu m'as donné de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Oui, est-ce que tu m'as donné de l'argent? Qu'est-ce qui prouve que tu m'as réellement donné de l'argent? Je t'ai pas donné d'argent. Quelle preuve tu as qui justifie que tu m'as donné de l'argent? Joe. Oui. Es-tu un voleur? Tu n'as aucune preuve. Joe. Tu n'as aucune preuve. Es-tu un voleur? Joe, es-tu un voleur? Et d'ailleurs, tu sors de ma maison. Oui, sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Sors de ma maison. Va-t'en. Ouvre cette porte. Joe. Ouvre cette porte. Je ne veux plus te voir dans ma maison. Donne-moi mes 30 millions. Voleur. Qu'est-ce qui prouve que moi j'ai ton argent? Mon oncle, bonjour, comment tu vas? Mmh.
Oui, vas-y, mets-toi. Oui, Joe, bienvenue. Merci, oncle. J'aimerais vraiment aller tout droit au but. Alex est arrivé ici ce matin avec une mauvaise nouvelle, qu'il était expulsé. Très triste. Mais ce qui est encore pire, c'est que tu as toujours nié ici qu'il t'envoyait de l'argent quand il était à l'étranger. Oncle, pourquoi seulement les hommes désespérés, ils cherchent toujours à qui faire porter leur couronne de honte? Qu'est-ce qu'il veut donc dire? Ça veut dire, ce que Alex essaye de dire, c'est que je vis grâce à l'argent qu'il avait envoyé. Mais dis-moi un peu, tu veux dire qu'il ne t'a jamais envoyé de l'argent? Quel argent? C'est lui-ci m'envoyer de l'argent? Quand? Où? Il est un menteur. Il ne m'a jamais envoyé une somme d'argent depuis qu'il est parti en Europe. Il ne répondait même plus à mes appels. Il refoulait tous mes appels. Nous n'avons juste parlé qu'une seule fois, mon frère, depuis qu'il a quitté. Écoute-le maintenant. Il est en train de créer des fausses accusations contre moi. Jill, je n'ai jamais connu Alex comme un faiseur de troubles, non plus comme un menteur. Donc c'est moi qui suis en train de mentir ici, oncle. Hein? Je suis en train de mentir? Je t'ai dit qu'il ne m'a jamais donné de l'argent et tu dis autre chose. Oncle, écoute-moi. Alex, c'est mon frère. S'il arrive qu'il n'a pas d'argent et qu'il veut que moi, je puisse l'aider, mais qu'il me le dise gentiment, et moi, je ne refuserai pas de l'aider. Et il n'a même pas de maison où habiter. Laisse-le venir chez moi. Ma maison est assez grande pour qu'on puisse vivre ensemble, nous deux. Et il pourra rester là jusqu'à ce qu'il le voudra. Jusqu'à ce qu'il sera capable et il trouvera un chez lui, je ne sais pas moi, quelque part. Joe, quand tu as commencé ton discours ennuyeux, tu m'as indirectement appelé un échec. Tu es trop petit. Donc, je ne veux aucun problème. Donne-moi juste mes 30 millions de naira. Quoi? 30 millions de naira? Quand est-ce que tu m'as envoyé 30 millions? Je t'ai envoyé l'argent 5 fois. J'ai mes preuves. Où sont donc tes preuves? Oncle, oui. Il y a quelque chose qu'on appelle SendWave. C'est un moyen d'envoyer de l'argent très rapidement de l'étranger. Je t'ai envoyé l'argent à travers SendWave. Je veux mes 30 millions de naira. Alex, écoute-moi. Tu es mon frère. Je ne suis pas un étranger, comme toi, bien sûr. Si donc tu as besoin d'argent, frère, très gentiment, tu viens me les demander avec paix et je vais donc t'aider. Oncle, je vais gifler ce garçon. Si tu répètes encore que tu m'as donné de l'argent, Alex, si tu répètes encore que tu m'as donné de l'argent, Arrêtez! Aïe! Ah! Oncle! C'est bien de ta faute! Oncle! C'est de ta faute! Oncle! N'importe quoi! Où est-ce que tu vas? Ne me pose pas de questions!
Es-tu en train de fuir? Es-tu en train de fuir? Tu t'en vas? Oncle! Oncle! Non, ma! Ah, Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne crois pas à ce que j'ai vu. Prends d'abord place. J'ai vu Alex. Quel Alex? Ton Alex à toi. Mon Alex? Oui. Attends, est-ce que tu blagues? N'est-ce pas qu'il est toujours à l'étranger? Dis-moi, il est rentré? Oui, il est de retour. Tu lui poseras cette question peut-être quand tu le verras. Mais il n'a pas l'air en forme. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été déporté de la prison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire quoi cette question que tu me poses? Écoute, ne me laisse pas croire que si Okoro et sa femme n'étaient pas venus demander ta main en mariage, tu serais en train d'attendre. Ah, Maka, s'il te plaît! Tu parles comme si tu ne sais pas comment ce garçon m'avait aidé lorsqu'il voulait aller en Europe. Je ne lui avais pas dit que je me marie bientôt. C'est ça le problème. C'est parce qu'il était en prison là en Europe. Hein? Dis-moi maintenant, tu veux quitter ton Okoro Baba juste parce qu'Alex est de retour? Écoute, je ne peux pas faire ça. Il y a une autre chose. Viens, c'est quoi? Ah, je suis finie. Ah, t'inquiète, peux-tu venir m'aider demain? Ah, mais je suis déjà là, non? Si tu veux que je le commence non, maintenant... Non, s'il te plaît, ne commence pas. Pas maintenant, s'il te plaît. Alors, tu n'as pas besoin de te troubler. Je m'en vais. D'accord. Je voulais te le dire étant que merci. Mon ami. Merci. Ok, bien. Bye. Chimo, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais expliquer? Qu'est-ce que je vais lui dire à propos de son argent? Je vais lui dire que j'avais fait quoi avec cet argent? Mon Dieu! Oh, je suis finie. Oh. Neki. Oui. J'aurais besoin de cet argent. L'argent? Mais quel argent? Neki, arrête tout ça, non? Hein? Nous avons investi en exportation de chocolat et tu le sais bien. Excuse-moi. Qui veut dire nous? Qui sont ces nous? Hé oh! Hey! Joe, tu m'avais donné l'argent au nom de l'amour. Et je t'avais dit que je ne te le payerais pas. Je me trompe? Petite correction. Écoute. J'avais investi mon argent dans cette affaire. Mon argent! Et pas nous. Ok? Et jeune homme, si tu es fauché que tu as besoin d'argent, parle à maman. Et je vais t'aider. C'est pas un problème. Tu m'as demandé de l'argent. Et je te l'ai donné. C'est mon argent. Neki, tu veux que je récupère cet argent par méchanceté? Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai peur. Hé, hey, Joe, est-ce que par hasard tu essaies de me menacer? Hé, hey, oh chérie. Sais-tu qu'au moment où nous discutons, je suis en train de tout enregistrer? Es-tu au courant? Juste, regarde autour de nous. Il y a une personne qui nous observe. Et pas que ça. Si seulement j'essaie d'appeler mon père. Allô, papa? Quelqu'un est en train de me menacer? Sais-tu ce qui va t'arriver? Je suis la fille d'un politicien. L'as-tu oublié?
Nikki, ce que tu essayes de faire n'est pas du tout bien. Oh, mon chéri, la vie n'est pas juste. Comment tu m'es trompée? Sais-tu combien c'était injuste? Les sais-tu? Écoute, je n'ai pas le temps pour des absurdités. Si ça ne te dérange pas, je dois partir. Excuse-moi. Je suis en train de parler de mes 30 millions de naira et tu me dis toutes ces bêtises? Le preuve. Le preuve. Très important. Nikki! Et qu'est-ce que c'est? C'est la proposition de la compagnie libanaise qui m'a été envoyée pour la fourniture des articles dont ils ont besoin. Ceci ne va pas du tout marcher. Ce n'est pas du tout un document original. Comment est-ce possible? Ne le vois-tu pas toi-même? Bianca, je te conseille de te trouver un produit local. Et trouver également quelqu'un qui va pouvoir acheter ce produit sans créer de problème. Oncle, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu as toujours découragé tous les efforts que je fournis? On dirait que tu n'apprécies pas ce que je fais. Tu ne m'as jamais soutenu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas du tout bon pour moi. Bianca, je te conseille de te trouver un business légitime pour investir ton argent. Et pour être un peu plus clair, cette compagnie, pour moi, n'existe pas. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce qu'une compagnie libanaise voudrait t'employer pour que tu leur fournisses un produit afin qu'ils l'exportent? Tu sais, peut-être que je n'aurais pas dû venir ici en premier lieu. Je suis désolée. C'est exactement ce que son père avait fait à mon ami, au nom de Alphonsus. Oncle, oui. Mon silence ne veut pas dire que je suis stupide. Je ne sais que faire. C'est que moi-même, je ne veux pas faire justice. Alors dans ce cas, je vais devoir appeler les gens du côté de sa mère pour qu'ils puissent vraiment lui parler, pour qu'ils te donnent ton argent. Nous trouverons un autre moyen. Oncle, je n'arrive pas à croire que Joe m'aurait fait ça. Je leur ai été gentil, lui et sa famille. J'ai pris son père malade avant sa mort. J'ai construit à son père une maison. Je payais leur loyer. Je lui envoie de l'argent pendant son anniversaire. Pourquoi me traiterait-il comme ça? C'est grave. Comme je te dis, il va te payer ton argent. Et même par sa façon de se défendre, j'ai clairement vu qu'il était coupable. Oncle, honnêtement, je le battrai comme un petit enfant. Je le ferai. Tu n'as qu'à te calmer. Tu auras ton argent. Mon argent. Où est mon argent? Ça n'a pas de sens tout ça. Oh, vraiment, c'est ce que tu penses? C'est un fusil bien chargé. Et je vais te tuer ici maintenant, même si tu ne me donnes pas mon argent, mes 30 millions. Tu es devenu malade. Non, pas du tout. Tu es devenu je vais te fou. Tuer ici maintenant. Enlève cette histoire hors de ma vue. Donne-moi mes 30 millions de naira. Tu es un voleur. Tu as pris mon argent. Je le veux maintenant. Comment est-ce que tu oses me prêter une arme? Je vais t'exploser. Je vais t'exploser. Oh, écoute, tu penses que je ne suis pas prêt? Oh, pour tu ça? Es prêt? Oh, tu penses que je ne suis pas prêt pour ces drames? Joe, c'est un pistolet chargé. Enlève cette arme. Ferme ta gueule! Je te tuerai maintenant si tu ne me donnes pas mes 30 millions. Mes 30 millions enlève ou bien moi ta cette vie. Histoire sur mon corps. Où sont mes 30 millions? Hey, messieurs, mets en l'air. Allez. Vite,
Jetez votre arme. Jetez votre arme tout de suite. C'est lui, le voici. Jette-la. S'il vous plaît. Maintenant. S'il vous plaît, attendez, je peux m'expliquer. S'il vous plaît. Dépêche-toi. Maintenant, fais vite. Pose ton arme. Dépêche-toi. S'il vous plaît. Maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Laisse ça, non. Suis-le à la police. Fais vite. Dépêche-toi. Vas-y. Oncle, bon après-midi. Bon après-midi. Joe, pourquoi tu as fait arrêter Alex? Je vais faire arrêter tout celui qui vient ici pour me poser des questions stupides. C'est moi que tu es en train de prendre pour un stupide. Joe, tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens de dire. Oncle, pourquoi est-ce que tu prends seulement sa part? Donc, Alex est venu te dire qu'il m'a donné de l'argent et tu lui as directement cru. Joe, dis-moi, si tu n'es pas coupable, alors pourquoi tu l'as fait arrêter par la police? Laisse-moi te donner un dernier avertissement. Ne viens plus jamais ici pour me parler encore d'Alex. Si tu ne veux pas que je revienne ici, tu vas aller là-bas dans ses cachots et le faire libérer. Et je le ferai seulement à une seule condition. Qu'il fasse appel à tout le monde et qu'il leur dise qu'il ne m'a jamais donné de l'argent. Est-ce que tu peux jurer devant Dieu qui ne t'a jamais donné de l'argent? Si tu penses que ton jugement va marcher, alors va à la police et libère-le par toi-même. C'est ce que tu dis vraiment? Très bien, nous verrons ce qui va se passer. Au revoir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah ah! Mais dis-moi, pourquoi tu es en train de me pousser comme ça? Écoutez, je ne veux plus vous revoir ici. Si je vous revois ici à nouveau, je ne vous arrêterai pas seulement, mais je vous mettrai directement en prison. Oh, tu penses que tu peux m'intimider, n'est-ce pas? Si vous le dites. Je connais mes droits fondamentaux. Ah. Je suis venu ici pour mon neveu. Ok, vous pensez connaître vos droits fondamentaux? Oui. Aucun problème, alors vous allez me dire. Là où vous avez eu des armes que vous avez utilisées pour braquer la banque. Dites-le-moi maintenant. Ah, bien sûr. C'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Arrêtez-le tout de suite. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Allez, c'est une tête. Venez avec nous, monsieur. Venez. Mettez-le. Je n'ai jamais volé dans une banque. Hein? Et qui vous l'a dit? Vous n'avez jamais volé dans une banque, hein? Ah, mais dites-moi. C'est quoi ça comme ça? Emmenez-le. Ah, dépêche-toi. Ha! Ce garçon doit souffrir. Comme il m'a fait dormir 3 jours dans un cachot, il verra toujours la souffrance à sa vie. Ichi, ne sois pas fâché. J'irai parler à Joe pour savoir pourquoi il t'a fait arrêter. Mais quelle raison il peut avoir? Si ce n'est pas la méchanceté. Hein? La méchanceté, la cupidité. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est une longue histoire. Avant d'être déporté,
j'ai décidé de commencer à épargner de l'argent au Nigeria pour pouvoir réaliser certains projets. Mais malheureusement, mon compte en dollars avait un problème. J'ai appelé Joe, mon frère cousin, et je lui ai demandé si je pouvais épargner de l'argent dans son compte. Il a accepté. Alors je lui ai fait confiance. Et j'ai envoyé un équivalent de 30 millions de naira dans son compte. À mon retour, après que j'ai été déporté, il a nié que je lui ai envoyé de l'argent. Attends, répète ça. Ce qu'il vient de dire là, c'est la vérité. Si c'était faux, Dieu ne nous ferait pas arrêter comme il a fait et nous enfermer dans un cachot de police. Et si ça ne dépendait que de lui-même, il nous aurait déjà tués. Non, 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 c'est injuste. C'est vraiment injuste. J'irai chez lui quand je serai de retour. Et quand tu vas dans sa maison là-bas, dis-lui que j'ai dit qu'il est maudit. AI, why am I unlucky in life? If I can sleep and not wake up, it is better than what I am facing. I am so unfortunate. Oh, why me? Oh, so bad a man, I am unlucky in life. So much betrayal and hatred. Oh, I'm so bad a man, I am unlucky in life. So much betrayal and hatred. Oh, why me now? Why me now? Nande. Joe. Tu as dit que tu voulais qu'on discute un peu. Il paraît que tu veux sortir. Mais oui, bien sûr. Je veux qu'on parle d'affaires. Très important. Aussi longtemps que ça concerne les affaires, je suis partant. Ton intérieur a changé, hein? Il paraît que tu as acheté de nouveaux meubles. Il y a maintenant 2 ans que je les ai achetés. La dernière fois que j'étais venu ici était le moment où Alex s'apprêtait à voyager aux Pays-Bas. Ouais. Nande, tu m'as dit que tu voulais qu'on discute à propos des affaires. Pouvons-nous alors parler des affaires? Ok, ok. Combien Alex t'a envoyé? Alex? C'est quoi Alex? C'est qui Alex? Notre Alex, bien sûr. Oh! Alex. Tu sais, je voulais d'ailleurs te dire une chose. Tu sais, Alex est revenu quelques jours passés. Il a été refoulé il y a quelques jours passés et il est directement venu dans ma maison me demandant de lui donner de l'argent qu'il ne m'a jamais donné. Est-ce que tu peux imaginer ça? Je peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer qu'Alex viendrait chez toi réclamant l'argent qu'il ne t'a pas donné. C'est quoi encore ce problème? Quel problème? De quel problème parles-tu? Hein? J'ai constaté que c'est quand Alex a commencé à t'envoyer de l'argent que ta vie a changé. Je comprends. Alors, toi... Tu les as rejoints. Vous m'accusez d'avoir volé de l'argent d'Alex. Et c'est très clair que Alex vous a totalement possédé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous pensez que je ne peux pas faire de l'argent? Vous pensez que je ne peux jamais acheter une voiture? Vous pensez que je ne peux pas me réjouir de ma vie avec mon propre argent?
Tu as vraiment perdu ta bienvenue. Sors de ma maison. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Sors de ma maison. Tu me demandes de quitter ta maison parce que je t'ai dit ce que tu as fait. N'est-ce pas? Nande. 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 Je ne veux pas devenir fou. Sors de ma maison. Tu n'auras jamais la paix quand tu récoltes de la sueur d'un autre. Je pense que le moyen le meilleur pour régler ça, c'est aller dans l'autre sens. S'il meurt, peu importe. Ça, c'est exactement le point. C'est exactement le point où je l'ai vu l'autre fois. Oh, Seigneur. J'ai hâte de poser mes yeux encore sur lui pour une fois. Il est tout ce qu'un homme peut être. Tout alors. Oh. Alex, tu es de retour. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis venue voir ta fiancée. Évidemment. Ne t'a-t-elle pas dit ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne t'a pas dit qu'elle était mariée. Hein? Non, elle ne me l'a pas dit. Quand est-ce qu'elle s'est mariée? Il y a 2 jours passés. Est-ce qu'elle t'a donné quelque chose pour moi? Quelque chose comme quoi? Non, elle ne m'a rien laissé. Y a-t-il un problème? Non. Non. Tu sais là où tu peux trouver son mari? Je ne veux pas que tu ailles causer du tort dans son mariage. Je dis que j'irai là-bas pour créer des scandales. Nous avons juste une affaire à régler. Ok, je peux t'aider. Peux-tu m'amener là-bas maintenant? Oui. D'accord, je t'attends. Un instant, je ferme la porte. Unoma. Mais où est la nourriture, non? Est-ce que tu veux que je me vanisse avant que tu amènes la nourriture ici? Mon mari, s'il te plaît, je viens haut. Ha! Ne t'évanouis pas, s'il te plaît. Où le verre qui est dans mon ventre? Veulent déjà me tuer là-bas. Ne t'évanouis pas, ta nourriture est là, mon amour. Et si tu t'évanouis, je vais aussi te suivre haut. Comme ça, nous deux, nous allons tomber. Mais non. Je pensais même que la nourriture était restée sur un arbre. Bah non. Hein? J'étais juste en train de les apprêter. Et tu les préparais encore? Non. Hein? Mon mari, vas-y. Mange, vas-y, hein. Tu vas aimer. Tu sais que ta nourriture, ta cousine, l'une des raisons pour lesquelles moi je vais t'épouser, hein. Donc si je ne savais pas préparer, tu n'allais pas m'épouser, hein. Vraiment? Je t'aurais quand même dû épouser, mais qui épouse une femme qui ne sait pas préparer? Mon mari, vas-y, mange, tu vas beaucoup aimer. C'est bon, hein? C'est bon, je t'avais dit. Bon. Oui, c'est très bon. Bon appétit. Prends de l'eau, il y a de l'eau ici. Je savais que tu allais aimer.
Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va. C'est comme le riz de Ofada. Alex, tu es de retour? Puis-je te parler en privé? Oh, pourquoi pas? Mon mari, s'il te plaît, j'arrive. Tu as l'air choqué. Oh. En tout cas, je suis sûr que tu sais pourquoi je suis là. Je vais récupérer mes 5 millions. De quels 5 millions parles-tu? Hmm? De quel montant parles-tu? Noma. Hmm? Je suis là pour récupérer mes 5 millions, les 5 millions que je t'ai donnés. Alex, peux-tu arrêter ça? Parce que tu ne m'as pas donné 5 millions et tu le sais bien. Alors arrête! Non, mais arrête de lever ta voix sur moi. Je t'ai envoyé 5 millions de naira pour garder. Maintenant, je veux les récupérer. Tu ne m'avais pas donné l'argent pour garder pour toi. Et tu le sais très bien. Alors arrête de me déranger. Il se passe quoi ici? Oh, peux-tu imaginer? Juste parce que j'avais refusé de l'épouser. Et il vient avec le mensonge me disant qu'il avait donné l'argent pour que je garde pour lui. Non, mais... Jeune homme, comment peux-tu venir dans ma maison et accuser ma femme? Désolé, monsieur. Je n'ai pas accusé votre femme faussement. Je lui ai envoyé 5 millions de naira à garder pour moi jusqu'à ce que je retourne. Et maintenant, elle est en train de nier que je lui ai envoyé de l'argent. Alex, tu ne m'avais pas donné l'argent pour que je garde pour toi. Ce n'est pas vrai. Non, ma, j'ai besoin de mes 5 millions. J'ai besoin de mes 5 millions. Alex, peux-tu partir? Oui. Hein? Dégage de chez moi. Que je quitte ta maison. Sors de chez moi, non? Jeune homme, s'il te plaît, quitte ma maison. Monsieur? Jeune homme, tu n'as pas entendu. J'ai bien dit, quitte ma maison. Et mes 5 millions. Sors, s'il te plaît, quitte 5 millions. Oh, tu ne veux pas partir? Ok, attends, je reviens. Attends là. Alex, pars où? Pars! Mon mari, s'il te plaît, laisse-le, viens manger. Viens manger, je t'en prie. Mon mari. Où est-il? Il est déjà parti? Ah, oui, oh. Il fallait le faire attendre. S'il te plaît, viens manger ta nourriture. Hey, 5 parler. Millions. Où et quand? Mais de quoi parler? Hey, pardon. Le gars là est très méchant. Très méchant. Aïe! Aïe! Le gars là est très méchant. Joe est insensible. Hein? Maintenant, j'ai la certitude que... Aïe! J'ai la certitude que Alex lui envoyait de l'argent. Aïe! C'est pourquoi nous allons l'appeler. Il va jurer devant nous tous ici qu'il n'a pas pris l'argent d'Alex. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons le faire très rapidement. Et s'il refuse? Alors là, nous allons envoyer son nom à l'une de nos divinités. Aïe! Pour nous aider à récupérer cet argent. C'est ça. Oui. C'est ça que nous allons faire. S'il refuse de jurer. Alex, on parlait justement de Joe. Oncle, il y a beaucoup de méchants dans ce monde, très nombreux. Tu n'as pas à t'inquiéter, Alex. Joe te rendra certainement de l'argent. Je suis à l'intérieur. Ichi, je dois rentrer. Ok, mais ne tarde pas à revenir. Why am I unlucky in life?
If I can sleep and not wake up, it is better than what I am facing. I am so unfortunate. Oh, why me? So rather, man, I am unlucky in life. So much betrayal and hate. Oui, c'est moi, Ichie. Oui, j'ai dit que Joe doit payer cet argent qu'il doit à Alex. Et s'il refuse, alors il verra face à nos divinités. Oh oui. Oui, nous allons faire ce qui sera nécessaire. Très bien. Ok, merci. Non, ma. Dis-moi la vérité. Est-ce que cet homme t'a donné une somme d'argent pour que tu gardes pour lui? C'est à toi que je parle! Il ne m'avait pas donné l'argent pour que je garde pour lui. Il m'avait donné l'argent parce qu'il voulait m'épouser. Oui. Noma, donc tu dois à cet homme. Ah! Je ne veux avoir aucun problème, Noma. Alors il faut que tu lui donnes son argent. Et je ne te donne que... J'en aurai où? Où veux-tu que je trouve l'argent? Je t'avais donné une partie de cet argent pour ton business. Et l'autre partie, je t'avais donné pour le préparatif de notre mariage. Alors où veux-tu que je trouve cet argent? Je veux le trouver où? Tu veux me les donner? Dis-moi. Hey! Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon fils. Comment tu vas? Je veux bien, monsieur. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Oui. Je cherche Alex, cet homme qui vient de l'étranger. Oh, oui. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, qui es-tu et pourquoi tu veux le voir? Je m'appelle Okoro. Et... il y a quelque chose de très important dont j'aimerais parler avec Alex. Alex! Alex! Alex, où es-tu? Oncle! Viens, cet homme-là te cherche. Oui, il arrive. Oncle, tu m'appelles? Oui, ce jeune homme m'a dit qu'il est en train de te chercher, mais je ne sais pas pourquoi. Alex, est-ce que nous pouvons parler à côté? Quoi? S'il te plaît, allons juste parler à côté. Ok. Merci, très bien. Ma femme vient d'admettre que tu lui avais donné une somme d'argent qu'elle devait garder pour toi, dont je n'étais pas au courant. Elle ne m'avait jamais dit que une partie de l'argent avec lequel on faisait tourner notre affaire était ton argent. S'il te plaît, je ne veux pas avoir de problème. À cause de Dieu. À cause de Dieu aussi. Je n'ai pas l'intention de la combattre. Parce que je suis un homme de paix. Moi également, je suis un homme de paix.
Et c'est pourquoi j'ai apporté une somme d'argent que nous avons réunie pour notre mariage. S'il te plaît, c'est juste 30 000 naira. Débrouille-toi avec, pour un moment. Attends. As-tu dit que c'est l'argent que vous avez réalisé de votre mariage? Oui. Oh non, j'ai pas besoin de ça. Ah. Garde l'argent. Paie-moi quand tu auras ton propre argent. Mais pas celui de ton mariage. Ah. Tu es un homme gentil. Oui, tu l'es vraiment. En fait, désormais, je vais commencer à épargner. Bonne journée. Merci. Oui, merci beaucoup. Quel homme gentil. Oncle, merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Merci, monsieur. Alors, c'était comment? Vous avez un homme vraiment gentil ici. Je dois le dire. Très bien. D'accord. Rentre bien. Merci, monsieur. Bien, nous sommes venus. Tu es prêt à jurer maintenant? Qu'est-ce que ça veut donc dire toute cette histoire? Mettez toute cette bêtise en dehors de ma maison, sinon je vais faire quelque chose de stupide. Tu peux aller appeler ta police. Nous sommes prêts pour eux. Emmenez cette histoire en dehors de ma maison. Hey, écoute, aujourd'hui c'est un jour de jugement. Tu dois lui retourner son argent, sinon... ça va te frapper. Et tu perds le temps. Si je compte jusqu'à 3 et que vous êtes toujours là, je finirai par vous tuer tous. Tu penses que nous avons peur? Va chercher tout ce que tu vas chercher. Nous sommes prêts à tout aujourd'hui. J'ai dit, je vais tous vous tuer. Fais tout ce que tu veux. Ok. Vous allez bien voir. Oncle, je te l'ai dit. Nous traitons avec un criminel endurci. Ce gars, un voleur, il a volé mon argent, veut toujours me combattre. Donc vous êtes toujours là, n'est-ce pas? J'ai dit sortez de ma maison. Quoi? J'ai dit, sortez. Tire-moi dessus si tu veux. Moi, je suis là. J'ai dit, sortez de ma maison. Joe, qu'est-ce que tu fais? Donc, Joe, tu as un pistolet dans cette maison. Alors, vous voulez voir ce que je vais faire? Joe, c'est ça la source de ta survie. Donc, tu peux tuer? Je jure, je vais te tirer dessus si tu ne sors pas de ma maison. Joe, dépose ce fusil. Sinon? Écoute, Joe. Si tu veux, tire. Dépose ce fusil. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Il m'a tiré dessus. C'est quoi ça? Hey! Hey! Alex! Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que tu étais dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Alex, je t'avais demandé de te calmer, non? Hein? Calme-toi, regarde, tu te déranges toi-même, hein? Et c'est pas bien. Je ne l'apprécie pas. Je viens de faire un rêve terrible. J'ai rêvé que tu as tiré sur moi. Je t'ai tiré dessus? Je t'ai tiré dessus? À cause de mon argent. Attends, réfléchissons un peu.
Joe, où est mon argent? Écoute-moi, Alex. Ça, ce n'est pas le bon moment pour en parler, ok? On pourra en parler peut-être plus Qu'est-ce tard. Qu'est-ce que tu racontes? Où est mon argent? Mes 30 millions. Ah, ok, d'accord. D'accord, tu vois, j'ai actuellement investi cet argent dans une affaire. Tu as fait quoi? J'ai investi. L'investissement, oui. Joe, tu as investi mon argent sans me le dire? Mais Joe, si tu me l'avais dit, je t'aurais dit de prendre une partie de l'argent. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Calme-toi, non? Tu vas récupérer cet argent dans 2 mois. Hey! C'est exactement ce que tu as dit dans mon rêve. J'ai dit ça dans ton rêve? Ouais. Tu as dit que j'aurai l'argent dans 2 mois. Oui, c'est vrai. Écoute, si donc je ne l'avais pas dit, tu n'aurais jamais su que je l'avais investi dans une affaire. C'est inacceptable! Tu ne peux pas utiliser mon argent sans me le dire. Écoute, l'argent est tout ce que j'ai. Tu dois le produire parce que maintenant je suis coincé. Alors tu veux vraiment que ton rêve puisse se réaliser? Tu m'interromps. Joe m'a vraiment tiré dessus. Hey, un très mauvais signe. Ce n'est pas bon du tout. Où est ce téléphone? Ok. Joe, oui, je veux te voir avant la fin de cette semaine. C'est très important. Oui, très bien. Aïe. Ah, non, il ne peut pas me faire ça. Oncle, bonjour, comment tu vas? Bienvenue, Joe. Comment tu vas? Je vais très bien. Laisse-moi t'aider. Je suis content, mon fils. Ah. Ah. Dis-moi, oncle, comment tu vas? Je veux bien, comme tu peux voir. Je suis très content de l'apprendre. Au moins, tu n'as plus de problèmes ni de douleurs. La vie se passe bien. Tu dis? Les douleurs sont là. Mais je veux bien. Au moins, quand je mourrai, ne vais-je pas me reposer? Bien sûr que si. Oncle, tu ne vas pas mourir. Bien. C'est seulement si ce que je vis dans un rêve ne se réalise pas, mon fils. Qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve? Une guerre totale. Tu as fait arrêter Alex et moi dans un cachot de police. Oh mon Dieu. Mais oh, c'était quoi la raison de toutes ces disputes? Dois-tu de l'argent à Alex? Il vous a dit que je lui dois de l'argent? Je t'ai juste posé une question.
Est-ce que tu lui donnes de l'argent? Bon. Il m'avait bien envoyé de l'argent pour garder pour lui pendant qu'il était à l'étranger. Alors j'avais investi ça dans une affaire. Et bientôt je vais donc le récupérer. Et depuis qu'il est retourné, il est toujours chez moi. Il a été refoulé. Mais le rêve n'est pas vraiment clair. Dans ce rêve, il était expulsé. Et tu ne voulais même pas lui rendre son argent. Tu m'as même tiré dessus. Sur ma poitrine. Tout fier à quoi? En tout cas, ce rêve ne se réalisera jamais. Mon fils, ça ne doit pas arriver. Je n'accepterai jamais quelque chose qui séparerait cette famille. J'ai toujours essayé de garder cette famille unie. Depuis que ton père est mort. Et je ne veux plus de situations qui amèneraient dans cette famille des troubles. Non, je n'en veux plus. Oncle, il n'y aura pas de troubles de toute façon. Je vais lui donner de l'argent dès que mes marchandises arrivent. Très bien. Fais-le, mon fils. Parce que la paix est plus que tout. J'ai entendu, oncle. J'ai entendu. Est-ce que tu as le vin de palme? Tu me demandes. Attends, moi là, je vais te trouver un peu de vin de palme. Je crois que c'est frais, oh. Je crois que c'est frais, hein. C'est lui que j'ai, ne t'inquiète pas. Oncle, je ne vais pas vomir, oh. Biko. Qu'est-ce que je dois faire? Comment m'en sortir de cette histoire? Si je ne lui donne pas cet argent, il y aura bien la guerre. Parce qu'il cherche un moyen de survie. Comment je vais m'en sortir de cette histoire? Ah oui, tu m'as appelé, mais voici, qu'est-ce qu'il y a? Cet argent veut vraiment nous créer des problèmes entre moi et mon cousin. L'argent? Quel argent? Mais de quoi est-ce que tu parles? Nikki, je t'ai donné une somme d'argent quand tu voulais exporter tes affaires. Oui. J'en ai besoin. Mon cousin est de retour et il veut cet argent. Attends. Mais à quoi est-ce que tu joues? Je ne suis pas en train de blaguer, je suis sérieux. Vrai?
blague pas et après ça veut dire quoi? Hé, tu m'avais donné l'argent au nom de l'amour, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire je ne présente pas? Allô? Tu veux me tuer ou quoi? Nikki, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, ok? J'en ai besoin. C'est pour ça que tu m'as appelé ici? Messieurs, trouve-toi un boulot. Excuse-moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas tuer mon frère à cause d'argent. Je dois seulement vendre tout ce qu'il y a dans cette maison. Nous nous sommes déjà rencontrés avant. Non. Non. Je crois t'avoir vu quelque part le mois dernier. Non. Certainement, c'est pas moi. Je viens de revenir des Pays-Bas. Aux Pays-Bas? Ouais. En Amsterdam? Ouais. Et pourquoi tu es revenu au Nigeria? C'est une décision personnelle. Quelle stupide décision personnelle. Bien. Je ne te donne pas ce travail à cause de tout ce que tu viens d'étaler par rapport à ton expérience ou du fait que tu as voyagé à l'étranger. Oh. Même si tu habitais la Maison Blanche, ça ce n'est pas du tout mon affaire. Je te donne ce travail parce que je... besoin d'hommes beaux de figure dans mon département de marketing. Merci beaucoup. Merci. Désolée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci. Si tu veux me reconnaître, tu dois dire merci, madame. Puisque je suis la PDG de cette grande compagnie. Et bien évidemment, ta boss.
M'as-tu compris? Ouais. Oui, quoi? Madame. Oh, oui, madame. Très bien. Alors, félicitations. Tu as décroché le job. Merci beaucoup, madame. Et s'il te plaît, un instant. Tiens, s'il te plaît. Oh, merci beaucoup, madame. Non, ce n'est pas pour toi. Madame? Je veux que tu descendes. Il y a un fast-food juste sur l'avenue. Achète-moi un plat d'œuf. Désolée, madame, vous avez dit... Tu m'as bien entendu. Presse tes pas, puisque je crève de faim. Tu peux dire aux gens qui sont en file d'attente de partir. Il n'y a plus d'opportunité de job, de vacances. Désolée, mais madame. Mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ouais, madame. Il est tellement mignon. Ok. Salut, chérie. Angèle. Ça va? Tu es prêt pour les boulots? Ouais, oui, mon amour. Ne vas-tu pas prendre le thé? Non, non, bébé. J'ai pas faim. Et d'ailleurs, je suis en retard. Ok. Fred? Ouais? Oui. Je pourrais aller voir ma mère aujourd'hui, pendant la journée. Métropole? Je crois que ça ne te dérange pas. Métropole? Mm-hmm. Pas de problème. Bon, pas de problème. Ok? Tu peux aller. Pense-toi, ok? D'accord, à plus. Oh. Bébé, j'en veux encore. Tu vas beaucoup me manquer. Prends soin de toi. Je t'aime. Bye. Allô, bébé. Je viens à toi. Je m'apprête pour toi, bébé. Je t'aime. Yes. En tout cas, la vie est belle. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas dit que tu allais avoir de la visite. Oh, calme-toi. Regarde comment il est assis. Relax, comme s'il était chez lui. Calme-toi, ok? C'est lui mon cousin, Alex. C'est lui dont je t'ai parlé. Oh, les déportés. Ça, ce n'est pas une raison. Même s'il est ton cousin, il ne peut pas s'asseoir comme ça. Ah, il peut aller dans une des chambres. Ah, toi aussi, arrête, non? C'est quoi ça? Allons-y. Allons-y dans la chambre. Allez, Alex, je reviens. Joe. Oui? Nous devons parler. Ah, ok. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'argent pour acheter des habits. Disons, tu veux combien? Je peux gérer peut-être 20 000. 20 000. D'accord. Ah, honnêtement, je n'ai pas cette somme d'argent maintenant. Mais je vais voir comment je peux t'aider. Ok. Chérie? Oui? S'il te plaît, viens. Quoi d'autre? Hey, écoute.
Chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 20 000 dans notre caisse? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi pour nous? Alex, mon cousin, a besoin de 20 000 naira. En quoi cela me concerne? Hein? Ok, bien. Quand est-ce qu'il va me les rembourser? Les déportés, quand est-ce que tu vas me les rendre? Oh, c'est quand tu vas rentrer en Europe, quand tu vas commencer à faire les blanchiments Oh, d'argent. chérie, Je ne calme-toi. suis pas une banque. Désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, désolé. Les femmes. Les femmes. Donc tu as amené ta petite amie pour m'insulter, hein? Non, elle n'a jamais voulu faire ça. Ah. Je vois le type de petite amie que tu as. Alex. Les gens qui portent les chaussures d'hiver sous le soleil. Je vois tes gens de petite amie. D'accord, continue. Chérie, chérie, tu es où? Désolé, madame. Vous m'avez appelé. Pourquoi tu as pris beaucoup de temps pour répondre? Désolé, je m'occupais de certains clients dans mon bureau. As-tu reçu le mail de José Group Company? Ouais, madame. Et pourquoi tu ne m'as pas dit? J'allais vous le dire. Tu allais me dire. Ouais, madame. Écoute, je ne travaille pas avec les cerveaux lents. Tu dois être rapide. Tu me comprends? Je suis désolé, madame. Tu peux le mettre dans ta poche. Allez, tiens. Tiens, s'il te plaît. Descends sur l'avenue là où tu étais allé la dernière fois. Prends-moi un plat d'œuf. J'aurais aimé le faire, mais il y a des clients qui m'attendent dans mon bureau. Quelle audace! Comment oses-tu me raconter des sottises? Madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te poses à moi? Tu essaies de remettre en question mon autorité dans ma propre compagnie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis désolé, madame. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Tu veux donc choisir entre ton job et ces insensés de clients? C'est ce que tu veux? Non, madame. Exécute ce que je viens de te dire maintenant même. Regarde ta cravate. Écoute-moi, à ton retour, tu vas amener mon véhicule au garage. Madame? Tu m'as bien entendu. Vas-y. Allô, Ethan. Je t'en prie, où es-tu? J'ai un petit problème avec ma voiture. Elle ne démarre plus. Oh, tu n'es pas en ville? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, hein? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Je fais quoi? Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Comment vas-tu? Quel est le problème? Salut, cousine. Hey, Jenny, t'es là? Bienvenue. S'il te plaît, prends place. Merci. Et à quoi est-ce que tu penses? Ne
me dis pas que tu vois quelqu'un et que tu ne m'en as pas parlé. Allez, vas-y doucement. De quoi parles-tu? Est-ce que j'ai même le temps pour ça? Enfin, comment tu vas? Je vais bien. Hier, j'avais appelé papa au téléphone et il m'a dit que tu étais déjà parti. Il avait tout gâché, alors je n'avais qu'à partir de là. Bien. Il m'a parlé de projet que vous avez avec les investisseurs libanais. Oui. Il paraît tout connaître. Enfin, c'est bien de savoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu as d'intéressant? Eh bien, ma sœur, il n'y a pas grand-chose. C'est toujours la routine. D'accord. Un instant, laisse-moi répondre à cet appel. Bienvenue, chérie. Merci. Essaye de démarrer. Ça va, ça va. Je pense que c'est la batterie. L'un des bouts de la batterie ne fonctionne pas bien. Vraiment, merci. De rien. Merci. De rien, de rien. Où est-ce que tu allais déjà? Au restaurant pour acheter quelque chose. Ok, monte juste, je vais aller. Non, 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 ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'un. Je peux marcher pour y aller. Je comprends ça, laisse-moi dire. Non, je ne vais pas vous déranger, monsieur. Non, ça va. Et quel est ton nom, sinon? Je m'appelle Alex. Alex? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans l'une des entreprises de la place. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Merci beaucoup pour ta De rien, monsieur. Merci beaucoup. Je dois m'en aller maintenant. Mais attends un peu, s'il te plaît. Donc, tu as complètement refusé de me présenter à Franck, c'est ça? Cousine, c'est fini avec Franck. Et les hommes nigériens ne m'intéressent plus. Attends un peu. Arrête de me faire rire. Ça veut dire que tu as fermé la porte aux gardes nigériens? Crois-tu que j'ai le temps de faire le deuil ou de pleurer pour le sort de quelqu'un? Oh non! J'ai beau plus que ça, tu ne peux pas. Oh, tu paries drôle. Absolument. Tu es aussi imprévisible comme l'oncle Eddie. Tu peux encore le dire. Oh, désolée, j'ai un appel. Allô, Tonya? Oh oui, je suis déjà revenue. Je suis vraiment désolée, j'avais complètement oublié. Ok, tu veux me voir dans ton bureau? Oh, dans ce cas, j'arrive tout de suite. Je veux dire, maintenant. Elle est déjà rentrée? Oui. Oh, oh. Ma quoi? Père, il est venu avec une très belle proposition d'affaires. Cousine, je pars tout de suite là-bas avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Bien, d'accord. Fais juste attention. Merci, je te verrai plus tard. Pareillement, merci. Prends bien soin de toi. Avec ces gros derrière. Juste comme le tien. Oh non, présentement, je ne suis pas dans l'actualité. Oh Seigneur. Désolé pour le retard. Que veut dire ceci? Madame? Tu savais à quel point j'avais faim. Tu rentres maintenant pour me dire que tu es désolée? Désolée, il y avait les embouteillages.
Quel embouteillage stupide. Dépose ça et va-t'en. Faites attention, il a du piment dedans. Veux-tu m'estomaquer? Je dis juste que c'est assaisonné. Regardez-moi ce go. Il me dit qu'il y a du piment. Il y a du piment. Je vais le manger à cause de toi. Je vais manger du piment. Qui est-ce que je vois là? Oh, papa. Ma chère fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma chère fille. Depuis quand est-ce que tu es revenue, sinon? J'étais rentrée depuis la nuit dernière. Je vais bien, je vais bien. Oh, pas besoin de les démonter, ça se voit. Comment était le voyage? Oh, c'était bien. Oh, papa, j'ai une surprise pour toi. Surprise? Juste, devine. Allez, devine. Jenny, je ne saurais pas deviner. Quel genre de surprise est-ce là? Allez, papa, essaye. Ok, tu refuses. Viens alors, lève-toi que je te montre la surprise. On y va. Lève-toi. Ok. Oui, viens avec moi. Viens. Viens, papa. Ok. Nous voilà. Ma nouvelle voiture que je viens d'acheter. Papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa, tu t'en vas? Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Jenny. Oui, papa. Je n'ai pas envie d'imaginer que tu vas me trahir ton frère. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Ça ne te plaît pas? Jenny. Oui, papa. Vas-y, assieds-toi. Tu as un papier, un stylo là-bas? Non, je n'en ai pas. Va dans ma chambre. Prends un papier et un stylo sur mon bureau. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas t'entretenir avec un client quand je ne suis pas là? Peux-tu garder silence? Et ferme cette bouche que tu as. Je ne te paye pas pour être désolée. Je te paye pour le travail et les livraisons que tu fais pour moi. Allez, fiche les camps. Idiot.
Jenny? Papa! Viens! Tu vois cette voiture? Je l'avais achetée en 2008. Elle est toujours en bon état et elle marche. Elle m'aide énormément. Viens, viens, viens encore. Et tu vois celle en rouge? Je l'ai achetée en 2011, 3 semaines avant que ta mère ne meure. Et elle est toujours en bon état et elle me sert toujours. Je sais, papa. Maintenant, regarde celle-ci. Presque comme neuve. Regarde l'autre là. Regarde. C'est pourquoi je peux te dire, nous n'avons pas besoin de cette voiture. Ok. Retournons à l'intérieur. Jenny. Oui, papa. À combien as-tu acheté ce véhicule parqué là-dehors? Je l'ai acheté à 8,5 millions de naira. Et c'est la troisième que tu as acheté il y a 6 mois. Oui, papa. Papa, allez. Je dois toujours rester classe. Comprends cela. Quelle classe? Une classe extravagante? La seule classe qui devrait t'intéresser, c'est la classe féminine. Tu n'as pas besoin de voitures luxueuses et encore moins des choses très chères pour maintenir une classe. Jenny. Oui, papa. Combien est-ce que tu dépenses pour un voyage?
Ça, c'est bien. Prends le papier et le stylo et écris-moi cela. Que je fasse quoi? J'ai dit, écris-le dessus. C'est fait. Combien est ton loyer? 1 million de naira. Continue d'écrire. Combien est-ce que tu dépenses pour la nourriture et quelques provisions pour un mois? Je n'ai jamais fait ce calcul. Je peux essayer de le faire rapidement juste pour estimer. Ça peut être entre 600 à 900 naira pour le mois. Très bien. Prenons juste 600 naira, ça suffira. Vas-y, écris. Que j'écrive? C'est fait. Jenny. Oui, papa. Essaie maintenant de gérer ces 2,6 millions avec 1 million. Quoi? J'ai dit essaie de gérer ces 2,6 millions avec 1 million. Papa, c'est impossible. Comment est-ce que je peux faire ça? Ok. Donc, c'est impossible. Donc, tu ne fais pas d'argent. Et tu t'es acheté 3 voitures qui vont au-delà de 8 millions. En moins de 6 mois, Jenny. Es-tu en train de progresser ou bien de régresser? Jenny, ne vois-tu pas que tu dépenses plus que ton capital? Papa, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Je pense que ça serait mieux que tu investisses ton argent dans un business bien plus sérieux. Je suggérerais que tu puisses créer ton propre emploi afin d'employer des jeunes. Je pense que ça serait mieux pour toi. Papa, je verrai. Je crois qu'il me faudra vendre mes voitures. Ça, c'est bien. Ça, c'est ma fille qui parle. Merci beaucoup, papa. J'apprécie infiniment. Tu sais quoi? Tu es mon héros. Très fier de l'être. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Viens là. Merci beaucoup, papa. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma chérie. Allez. Tu sais, j'ai demandé à Dieu... Ça, c'est bien. ...de t'accorder une langue. C'est bien. Ça, c'est mon bébé. J'aimerais profiter de ta sagesse. Bien dit, chérie. Qu'est-ce que c'est, Alex? Ne t'ai-je pas dit que j'ai réunion à 11h juste? Désolé, madame, vous ne m'avez pas dit que je vous amènerai quelque part aujourd'hui. Allez, ferme-la et entre dans le véhicule. Mais il y a un client qui m'attend dans mon bureau. Laisse les clients. Tu la fermes et tu entres dans le véhicule. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux commencer à faire des échanges de paroles avec moi? Mais madame, juste pour vous dire qu'il y a un client... Tu n'as rien à me dire, garde silence. Tu dois arrêter de foncer les sourcils. Je n'aime pas ça. Je suis ta boss, j'espère que tu ne l'oublies pas. Quand je te parle, tu ne défigures pas ton visage. Tu veux gâcher mon humeur? Madame, jusque c'est... Avant de toucher les volants et me conduire dans ces véhicules, tu dois mettre le sourire sur ton visage. Mais je suis désolée, madame. Je souris toujours lorsque c'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Tu veux être virée?
Je vire les gens n'importe quand et n'importe comment. N'oublie pas que c'est moi qui suis la PDG de cette compagnie. Il y a tout un fil qui attend à être embauché. Si tu remets encore en question mon autorité, tu seras licencié. Es-tu fou? Souris. Ok, madame. Souris. Ok. Je ne comprends pas cette situation. Qu'est-ce que tu racontes? Désolée, madame, j'allais vous demander. Pourquoi vous êtes toujours nerveuse? Une jolie dame comme vous devrait être toujours contente. Vous êtes toujours nerveuse et aussi toujours dure. Silence! Prends le volant. Tu as laissé tomber mes clés de contact? Je suis désolée, madame. Viens me conduire. Oh ouais, j'ai parcouru votre proposition. C'est très impressionnant, mais je voudrais que vous me donniez une liste complète de votre situation géographique. C'est important. Très bien, d'accord. Et vous êtes... Tu ne m'as pas fait rapport de la demande que j'étais faite. Oh ouais, elle l'a dit, mais je lui ai demandé de vous dire que je m'occupais d'un client. C'est quelle bêtise, ça. Donc, à cause... d'un client, je dois arrêter de faire tourner ma montre. Non, madame, je voulais juste finir avec le client avant de... Allez, ferme ta bouche, prends. Tiens ces clés. Va récupérer ma soeur à l'aéroport. Elle vient juste d'atterrir. Désolée, madame, je suis occupé par... Sourd, je viens de te donner une tâche à exécuter. Va récupérer ma soeur à l'aéroport. Tu me dis que tu es avec oh, qui? Oh, madame, je vous demanderai de confier ça au chauffeur parce que ça devient trop... C'est ce que tu viens de me dire? Non, je veux dire... Viré. Quoi? Rassemble tes misérables documents et pars. Oh, madame, s'il vous plaît. Madame, ferme-la, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Dès que tu t'en vas d'ici, je ne veux plus te voir dans le parage de cette compagnie. Va-t'en. AI, why am I unlucky in life? If I can sleep and not wake up, it is better than what I am facing. I'm so... Oh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bianca, qu'est-ce que tu as foutu? Tu m'aurais pas dû le virer. I am so fortunate. Oh, why me? Oh, so rather man, I am lucky in life. So much betrayal and hatred. Oh, I so bad a man I am. Oh, je suis revenu très fatigué. J'ai été licencié. Viré? Ouais. Pourquoi? Comment? Parce que j'ai refusé de travailler en tant que responsable marketing et un chauffeur à la fois. Je ne suis pas un esclave. Hey. Alex, c'est ça le Nigeria. Tu dois apprendre à accepter tout ce que ton employeur te dit. Il n'y a pas de travail partout ici. Il n'y a pas de travail partout et tu le sais très bien. Vraiment? Oui. Je dois tout accepter de mon employeur. Merci. Merci pour ton conseil d'ami. Alex.
Alex! Alex, écoute-moi. Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose. D'accord, vas-y. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et cet agent m'a raconté des histoires pas trop bonnes. Je n'ai pas encore compris. Je ne sais juste pas comment le dire. En fait, je l'avais appelé. Alors, il m'a dit... Les marchandises seront donc arrivées dans quelques mois. Alors, je devrais te le dire. Joe, pour qui me prends-tu? Tu penses que je suis un imbécile? C'est ce que tu penses de moi? Hein? Écoute, Joe. J'ai juste besoin de mes 30 millions de Naira. C'est tout ce que je veux. Et tu vas les récupérer. Fais-moi confiance, tu les auras. Et je me suis rappelé que tu m'as dit que tu voulais 20 000 pour quelque chose. Je vais te donner 5 000 aujourd'hui dans la soirée. Il n'y a pas d'argent. On doit se débrouiller. Grande sœur, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas de bonne humeur depuis que tu es retournée. Bien, pas totalement. J'ai offensé quelqu'un aujourd'hui et je me sens dérangée. Je n'ai pas non plus présenté mes excuses avant d'être séparée de cette personne. C'est ce qui me range. T'es vraiment sérieuse? Tu es dans cet état parce que tu as offensé quelqu'un? Je ne t'ai jamais vue dans cet état. Alors je pense que cette personne est tellement spéciale. Bien, c'est un homme très gentil, bien qu'il ait un quotient très faible. Un gars? Alors parle-moi à propos de lui. Je ne sais pas grand-chose sur lui, je sais juste qu'il n'est pas assez intelligent. Alors ma sœur est amoureuse de ce garçon qui n'est pas intelligent? Non, allez. Nous ne nous sommes jamais parlé de ça. Je viens à peine de le virer. Depuis lors, je ne me suis plus sentie à l'aise. Je crois qu'il a autre chose, ce gars. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je l'ai envoyé à l'aéroport pour te chercher. Il a commencé à me raconter Drago. Je me suis fâchée, je l'ai viré. Tu ne peux pas chasser tes employeurs de cette façon. Tu veux commencer à me blâmer maintenant? Non. C'est juste que je ne sais quoi d'autre te dire. Ok, dis-moi comment tu vas, les études, comment ça a été à Londres? Ça va bien à Londres, mais les cours sont stressants. Bien, je te comprends. Mais aussi longtemps que tu fais de bons points, moi, ça me va. Mais grande sœur, j'ai quelque chose à te dire. Peu importe ce que tu veux me dire maintenant, ça doit attendre demain. Je me sens très exténuée. Mes yeux commencent à se fermer déjà. On va parler demain. D'accord? On se parle demain. Ok, bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Grande sœur. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire,
mais je ne sais pas comment non, le non, dire. Non, peu importe la chose, je crois que ce n'est pas pour l'argent, puisque je n'en ai pas maintenant. Tu crois que je ne sais pas comment tu gaspillais de l'argent dans des bistrots et sur toutes ces personnes que tu faisais traîner derrière toi? Hein? Il n'y a pas d'argent. Oui, je sais bien, grande sœur, mais ça, ce n'est pas à propos d'argent. C'est une autre chose que l'argent. C'est à propos de quoi, alors? C'est... Au fait, je suis dans un grand trouble, grande sœur. J'ai été virée de l'école. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Tu as été expulsée? Es-tu en train de plaisanter ou quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Rien, oh, j'avais fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Exactement. J'avais échoué. Qu'est-ce que tu dis? Glory, est-ce que tu t'entends parler? Sais-tu combien j'ai dépensé sur toi? Combien j'ai dépensé sur tes frais? Combien j'ai dépensé pour que tu ailles à Londres? Et tu ouvres aussi ta bouche facilement comme ça pour me dire que tu as été expulsé? Le pire est que tu as perdu ton temps inutilement. Oh, vraiment? Grande sœur, je suis désolée. Il n'y a absolument aucune chose pour laquelle être désolée, Laurie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais quoi? J'ai juste l'impression que tu es en train de me mentir. Ou encore tu essaies de blaguer avec moi. Tu m'as pas encore dit la vérité. C'est la vérité. J'ai été virée. Si c'est la vérité, alors je ne vais pas l'entendre. Sors de ma chambre, sors. Sors! Je ne te comprends pas. Tu sais combien j'ai investi sur toi? Toutes les années que tu as prises pour me dire finalement que tu es expulsée. Je suis désolée. Sais-tu combien ça m'a coûté en termes d'argent, d'énergie? Tous les efforts que j'ai conjugués, c'est pour être finalement expulsée. Je pars à la chambre. Fais-tu sur ces lits? Et c'est quoi cette question stupide? Qui es-tu et comment oses-tu me réveiller? Fred! Fred! Cette fille à la chambre et dans ton lit. Fred, je te parle. Qui est cette fille dans ton lit? Qui est-elle? Ok. Tu ne veux pas parler?
Tu refuses de parler, n'est-ce pas? D'accord, j'apprécie ton silence. Je m'en vais dans ta chambre et faire sortir tout de suite cette idiote. Si je vois encore tes deux pieds autour de ma chambre, je les couperai. Je te demande pardon. C'est à moi que tu viens de dire ça. Tu m'as bien entendu. Fred, je suis ta petite amie, rappelle-toi. Es-tu malade? As-tu perdu la tête? Quand est-ce que cette partenaire de sexe devient une petite amie? C'est comme ça? Quoi? Ah! Fred! Moi? Dieu va te punir! Les diables vont te tuer! Moi? Oui, écoute, je t'ai prévenu à mettre en place de ne pas lever ta voix sur moi. Donc que ce soit la dernière fois que tu lèves ta voix sur moi. Est-ce que tu as bien compris? Je suis désolé. C'est pas la première fois. Fred. Bébé. Je crois juste que c'est pas à quoi je pense. Je n'ai pas envie de croire à ce que je pense maintenant. Bébé, écoute. Je t'aime. Je t'aime avec tout ce que j'ai. Je t'aime au plus profond de mon âme. Fred, veux-tu me tuer? Nikki, s'il te plaît, comprends-moi. Je n'ai pas assez d'énergie pour ce drame. Je veux juste me détendre. Donc laisse-moi tranquille et va-t'en. Va-t'en, j'ai dit. Ah, je le sais, je le sais. Merci, merci. Ah, vraiment, je déteste faire ça. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, prends ton sac et va-t'en. Voilà la porte, s'il te plaît. Ah, je ne veux pas faire ça. Quitte. Mais non. Pourquoi te mettre à me déranger comme ça? Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Ah!
Joe, tu savais qu'il pleuvait, mais tu m'as laissé dehors. Même après avoir frappé plusieurs fois, tu as refusé d'ouvrir la porte. Je n'ai pas entendu quand tu frappais. Oh, tu ne m'as pas entendu frapper. Oh, tu ne m'entends toujours pas frapper. Voici la question. Pourquoi tu m'as laissé dehors? Ah, tu vois, peut-être que quand tu es trop ivre, tu penses que tu frappes alors que tu ne frappes même pas. Quand je suis sous l'emprise de l'alcool, oui, je pense que je frappe mais je ne frappe pas. Donc tu m'appelles un ivrogne, c'est ce que tu es en train de faire. Ok, c'est bien. Je suis un ivrogne. Mais j'ai pas juste commencé à boire. Tu l'as causé. C'est moi qui t'ai viré de ton travail. Oh. Est-ce que c'est moi? Tu as une grande gueule maintenant. T'as déjà renvoyé ton travail? Vraiment? M'as-tu retourné mon argent? Frère, à la prochaine fois, apprends à frapper plus fort. Joe, voici la question. Pourquoi tu as refusé d'ouvrir la porte pour moi? Pourquoi tu m'as abandonné dans le froid? Et si j'étais mort? Tu n'es pas mort, n'est-ce pas vrai? De toutes les façons, frapper longtemps à la porte n'est pas aussi dangereux que l'alcool. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as écouté. Ok. Tu sais quoi? Tu es très méchant. Joe, tu es à la fois méchant et un voleur. Tu as pris mon argent, tu m'as enfermé dehors, ton frère cousin. Tu m'as très déçu. C'est moi qui devrais être le plus déçu ici. C'est moi qui devrais être le plus déçu. Tu n'as pas honte de toi-même? Qu'est-ce que tu fais d'autre ici? Si ce n'est que sortir de la maison, prendre de l'alcool et traîner là dehors. Tu n'as pas du tout honte de toi-même? Je te pose une question. Tu es en train de rêver le lien en moi, tu sais? C'est quel lien stupide ça? Tu es en train... C'est du n'importe quoi, de quel lien tu es en train de parler? Tu es en train de rêver le tigre en moi et tu sais ça? Je n'ai pas du tout peur de toi. Alex, tu n'es pas la seule personne qui puisse être refoulée de l'Europe. Et tu n'es pas la seule personne qui puisse être virée de son travail. J'étais resté chômeur pendant 5 ans et 5 bonnes années. Mais je n'avais jamais pris de l'alcool. Pourquoi? Pourquoi dois-tu montrer au monde combien tu es dépressé? Après avoir bu de l'alcool, tu viens frapper à ma porte et tu t'attends à ce que je puisse l'ouvrir? Tu ne racontes que des bêtises. Va prendre ta douche et repose-toi, frère. Ce gars est un fraudeur qualifié. C'est un voleur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Neki, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore Fred? Oui, monsieur. Fred a dit que c'est fini entre nous. Papa, il a dit qu'il n'est plus intéressé. Il? Et c'est fini. Il a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il pourrait dire ça? Je ne sais pas. Papa, j'ai vu une fille dans sa maison et dans son lit, papa. Quoi? Oui. Sur son lit? Neki, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je vais régler cela. Je vais lui parler.
Père. Papa. Père, bonjour. Papa, bonjour. Fred. Père. Papa, je sais que tu es ici pour parler. Ouais. Fred. Père. Papa, arrête de te comporter comme un petit garçon. Hein? Tu ne viens me voir que quand tu as besoin d'argent. Mais père, ton fils est très occupé. Exact. Occupé à coucher avec d'autres femmes. Non, père, non, non, père, non. C'est pas ça, Fred. Père. Viens au bon moment si tu veux que nous parlions. Entrez. Père. Comment va le travail? Fred. Ouais, père. Ceci est exactement ce que j'ai dit tantôt. Tu te conduis comme un petit garçon. Père. Tu n'as d'ailleurs aucune idée de ce qu'on appelle heure de service. Père, j'ai besoin de cet argent. J'ai un grand plan pour cet argent. Je vais ouvrir une salle de sport à Lekki. J'en ai besoin. Je vois. Ouais. Une salle de gymnase. Ouais, père. Oui, papa. Tu as un merveilleux projet. Voilà. Maintenant, quand vais-je avoir l'argent? Quel jour? Bien. Fred, une fois que tu deviendras responsable et que tu te marieras avec une femme responsable, c'est en ce moment-là que tu auras l'argent. Ce n'est qu'à ce prix que j'aurai l'argent? Ah. Serveur. Serveuse. Jolie fille. Oui. Oh, donc tu sais que tu es jolie. Serveuse, viens. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, madame. S'il te plaît, une bouteille de plus. Ok. Fais vite. D'accord. Cours. Vol. Monsieur, je peux ouvrir? Non, 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 je t'ai pas demandé de l'ouvrir. Oh, désolé. C'est combien mon reliquat? J'ai pas de reliquat. Comment? Mais j'ai payé. Tu veux voler mon reliquat? Je te plains, n'est-ce pas? Je sais que je te plains. La façon dont tu me regardes là. Dis-moi simplement que je te plains. La fille est jolie. Je vais juste aller la saluer. Do, s'il te plaît, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, n'est-ce pas? Ah oui, on avait déjà parlé à propos. T'inquiète, je me rappelle bien. Bien, tout le monde me manque. Ouais, elle va très bien à 7h, elle est au bureau en train de travailler, tu la connais, non? Non, non. Non, ne dis pas ça.
Ok. Salut. Allô. Salut. Désolé, je te rappelle après. Allô. Salut. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non. Comment vas-tu? Je veux bien comme tu peux bien le voir. Je sais. Je sais que tu vas bien. Je t'ai vu là où je t'ai assis. Sur le siège là-bas. Je suis là pour te saluer. Salut. Je n'ai pas le temps pour un ivrogne comme toi. Va-t'en. Tu vois, je voulais te poser quelques questions. Puis-je te les poser? Puis-je m'asseoir? Non, j'ai dit va-t'en. Tu vois, un jour en Hollande, un gars blanc m'approcha. Je pensais qu'il était un homosexuel, mais ce n'était pas le cas. Et il me dit, « Hé, monsieur, as-tu réfléchi sur ce que tu fais dans le monde? Comment tu es arrivé ici? Là où tu vas après avoir quitté ici? » Et il me dit, « Sais-tu que tu étais un singe, que nous étions autrefois des singes? » Oh, c'est vrai ça? Ouais, il m'a demandé si je savais que j'étais un singe dans l'autre monde. Et j'ai dit, « Non, je ne suis pas un singe. » S'il te plaît, tu es ivre, va-t'en. Non, je ne suis pas saoul. J'essaie de lui donner mon attention, mais je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mais sérieusement, tu t'approches de quelqu'un que tu ne connais pas et tu commences à lui non, parler? Non, je veux juste te demander. Ah, oh mon Dieu! Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis désolé. Sais-tu combien coûte cette boisson? Je peux l'acheter. Tu peux l'acheter? Ouais. Un pauvre ivrogne comme toi ne peut pas acheter cette boisson. J'essaie juste de m'expliquer avec toi, mais... Dégage! D'accord. Sors de cette place! Je peux payer pour ça, tu sais. J'ai de l'argent. Un homme comme toi ne peut pas acheter ma Merci. Boisson. Merci. Vis une bonne vie. Toi aussi. Hey, serveuse! Où es-tu?